DC. C'est à moi de faire une petite introduction, mais ce n'est pas exactement nécessaire. Je pense à présenter mes chiffres d'esprit. Co-coordinateur, cher ami climatologue, etc., etc., etc. Bien connu, je pense, à tout le monde. Alors, pour la séance aujourd'hui, le sujet, c'est les points de bascule. Bien sûr, évidemment, le sujet, un terme qui est fréquemment posé, je pense, dans le contexte de la transition. Et on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire techniquement. Alors, Michel, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Charles. Vous connaissez un peu le principe de ces séances. En principe, on prend un concept, point de bascule. On verra un peu plus tard, dans deux mois, trois mois, la question d'effondrement. Et on essaie d'en apporter l'éclairage aux différentes disciplines. Bon. Alors j'avais en charge la préparation de cette séance et j'ai cherché quand même assez bien, contacté pas mal de collègues. Ça n'a pas été si évident. D'abord, d'une part, de distinguer le point de bascule de l'effondrement. Et puis il y a évidemment pas mal de gens qui ont des choses à dire sur les points de bascule. Il y avait la contrainte additionnelle de trouver quelqu'un qui n'était pas trop loin, pour ne pas faire venir quelqu'un de Stanford ou de Tokyo. Et donc la solution finalement, j'ai trouvé, voilà, je pense qu'elle conviendrait quand même, c'est que je vous donne un aperçu un peu technique, mais on va voir, un pré-mâché, sur la façon dont on utilise le concept de point de bascule, on va dire en sciences de la Terre. Ça va être biaisé avec le point de vue du climatologue, c'est pas très très important. Ce qui conviendra ici de voir, c'est comment on le définit nous. Le terme point de bascule, effectivement, est assez ancien. D'abord, il a une connotation, c'est une métaphore, donc on peut l'utiliser de façon tout à fait informelle. Et puis, si on veut voir quand il est utilisé au début dans la littérature académique, c'est pas du tout en sciences naturelles, c'est pas du tout en climatologie, c'est dans le domaine des sciences sociales, dans une littérature qui frise aussi la littérature populaire. En fait, on retourne à Gladwell dans les années 60, qui s'occupait de ségrégation raciale, et qui a utilisé le point de bascule dans un contexte assez particulier en disant... Voilà, si on apporte des petites mesures incrémentales sur la façon dont les villes sont organisées, sont-elles entretenues, on peut éventuellement arriver à un point de bascule où la ségrégation raciale qui est prédominante dans certaines villes américaines peut s'atténuer, voire disparaître. Donc c'était un discours assez, finalement assez politique, qui a ensuite été a servi de base à de la modélisation sociale dans les années 60 et 70. Il faut vraiment attendre les années 2000 pour que le terme point de bascule soit récupéré en climatologie. C'est extrêmement récent. En fait, on peut quasiment tracer ça à la catastrophe de Katrina, vous savez, cet ouragan, cette tempête tropicale qui a balayé la Nouvelle-Orléans, qui a causé énormément de dégâts. Et le terme point de bascule a été utilisé à peu près à cette époque-là. Alors, je ne dis pas que c'est Katrina qui a fait que... Hein. Mais dans la littérature, tout à coup, on le voit apparaître comme des champignons chez Jim Hansen, chez Joachim Schellnhuber, dont on parlera dans un instant, à la fois pour parler du changement climatique, nous avons passé un point de bascule au-delà duquel les choses vont être irréversibles, et puis aussi dans le langage à propos de la gestion du changement climatique. Tout ça est un peu fou. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui ont analysé l'usage de ce terme. J'avais fait une conférence au CRIS il y a deux ans déjà à ce sujet. On peut aller chercher dans la littérature chez les philosophes, chez Sébastien Dutreuil, chez les historiens des sciences, Ricil, son prénom m'échappe. Donc ces gens ont écrit des articles très documentés sur l'usage du terme point de bascule, sur le fait que c'est une métaphore, et on va dire sur les dangers ou les avantages de s'appuyer sur une métaphore. On sait que quand on utilise une métaphore pour un discours scientifique ou pour un discours de vulgarisation, bien on emprunte les valeurs de cette métaphore et donc on donne une connotation particulière au message. Quand on parle de point de bascule, ça veut dire qu'on est prêt de basculer, et basculer, ça semble dangereux a priori. Hein. Donc il y a des valeurs qui viennent et qui se superposent. Et il y a des... philosophes, des climatologues, des sociologues, des géographes qui sont plus ou moins favorables, plus certains davantage, d'autres moins,
favorable à l'usage de ce terme, parce que justement, il y a un positionnement par rapport à une métaphore et par rapport aux valeurs qu'elle renvoie. Alors, je ne vais pas tenir ce discours-là aujourd'hui, parce que c'est un petit peu hors dehors de mon champ. Ce que je voulais simplement, c'est cadrer comment aujourd'hui le terme de point de bascule est utilisé en climatologie. Ça va être l'objet de mon intervention. Ensuite, nous verrons une intervention filmée d'un anthropologue qui ne parle pas exactement de point de bascule, mais qui va mettre en lumière, évidemment je vais vous faire un peu exprès, comment les différents concepts que je vais annoncer ici ont une portée limitée lorsqu'on parle lorsqu'on l'introduit dans un discours anthropologique. Donc ici je vais faire, si vous voulez, le bon élève, en sens où je vais présenter les choses comme vous les verriez probablement dans n'importe quelle conférence de pensée dominante, je dirais, en climatologie. Bon, j'y apporte ma touche parce que c'est un peu mes recherches, mais je vais utiliser le discours standard, si vous voulez, presque à la caricature. Et puis on verra l'intervention de Sander van der Leu, cet anthropologue, enfin, il se définit à la fois comme anthropologue et sociologue, qui travaille au Santa Fe Institute, qui lui va venir un petit peu avec sa fourchette, hein, piquer dans les fesses, et dire en quoi le discours que je vais présenter ici est quelque chose d'un peu caricatural, ou en tout cas formaté. Et puis, ben, j'espère que ça donnera lieu au débat. Ça, c'est un petit peu comme les choses ont été finalement organisées. Bon, alors allons-y. N'hésitez pas à m'interrompre. Le danger, évidemment, vous le savez tous, quand on parle dans sa discipline, c'est qu'on utilise vite des termes de jargon sans s'en rendre compte. Le but ici, évidemment, c'est que chacun puisse s'en sortir avec une valeur ajoutée. Donc interrompez-moi, il n'y a aucune difficulté. Bien. Si vous demandez à un climatologue comment il s'intéresse au changement climatique, il va vous expliquer généralement que sa base scientifique, qui le distingue du météorologue d'ailleurs, c'est qu'il s'inquiète de l'équilibre énergétique de la Terre. Et quand on parle d'énergie, on parle d'énergie au sens où les physiciens l'emploient, hein, on est bien, c'est très cadré, hein, on vous parle de photons, on vous parle d'énergie thermique, d'énergie cinétique, hein, donc c'est vraiment le discours du physicien. Donc en climatologie, la climatologie naît, pour moi, à partir du... La climatologie physique, hein, pas la climatologie géographique, il y a d'autres racines, mais la climatologie physique naît le jour où Joseph Fourier réfléchit à la planète Terre comme une sphère et s'inquiète de son équilibre énergétique. Donc cet équilibre énergétique, il est relativement simple à concevoir. Vous imaginez un flux solaire entrant, mais évidemment, Fourier avait imaginé d'autres choses, mais enfin, principalement, il avait compris que le gros de l'énergie venait du soleil, et que si vous accumulez sans cesse de l'énergie, vous avez un problème, puisque la planète se réchauffe continuellement, mais d'un autre côté, la planète émet de l'infrarouge, et vous obteniez un équilibre énergétique entre les deux. Si pour une raison ou une autre, le flux solaire entrant augmente, eh bien, vous allez devoir émettre davantage d'infrarouge pour atteindre l'équilibre. Est-ce que Fourier en d'autres, hein, parce que toute cette physique qui date déjà du 18e, 19e siècle avait bien compris, c'est que vous émettez autant d'infrarouge que davantage d'infrarouge si la température augmente. Donc si vous avez davantage d'énergie entrante, eh bien, vous augmentez la température pour remettre davantage d'infrarouge. Alors une façon de comprendre les choses, et c'est très important en physique, on le fait tout le temps, dès la première année, c'est que si on peut se permettre de linéariser, de faire une approximation linéaire, on le fait. Donc ici, ça ne marche pas trop mal. Donc on dit, si le flux infrarouge est proportionnel, vous voyez cette formule A plus BT, s'il est proportionnel à la température, eh bien si j'ai davantage d'énergie entrante, je vais devoir augmenter la température. Ça, ce que je viens de vous faire, c'est en 5 minutes, les deux premières heures de cours dans le cours de climatologie physique de base. Alors, Joseph Fourier, évidemment, a compris aussi qu'il y avait un phénomène d'effet de serre, ce qui fait qu'il y a une partie d'infrarouge qui reste piégée, et que si vous augmentez la concentration en certains gaz à effet de serre, comme la vapeur d'eau, mais surtout le CO2 qui nous intéresse ici, eh bien, vous modifiez également cet équilibre énergétique, et cela entraîne une réponse, une augmentation de la température. Ça, je ne peux pas vous le faire en 3 minutes, mais c'est assez solide. Hein, c'est assez solide comme discipline. Ce que vous avez peut-être remarqué dans mon discours, dans ces 5 premières minutes,
c'est que ce que je viens de vous expliquer ici fonctionne pour la planète Terre, mais ça fonctionne aussi pour la Lune, ça fonctionne pour une bille d'acier. Hein, donc jusqu'ici, j'ai absolument pas pris en compte le fait que la planète est une Terre vivante, qu'il y a des gens qui vivent dessus. Tout ça, ça n'a aucun... ça rentre pas dans le discours. Hein. Alors, l'autre grande chose que vous êtes physicien, ou peut-être vous faites des études en médecine, mais vous devez subir le cours de physique de première année. Donc la deuxième chose qu'on vous explique, c'est à faire des équations. Et un des premiers TP, un des premiers labos que vous allez faire, c'est prendre un ressort. J'ai vu mes talents designer. Prenez un ressort vous tirez dessus et vous mesurez avec un dynamomètre, c'est-à-dire un petit appareil qui mesure l'intensité d'une force, et vous apercevez, ah c'est génial, c'est un beau graphique. Et vous observez que la force est proportionnelle à l'élongation du ressort. Donc ça justifie l'approximation linéaire. Et puis alors, si vous êtes un étudiant un petit peu mal élevé ou un peu curieux, vous allez tirer le ressort jusqu'à un point où il va être détendu, parce que dans le régime de plasticité, donc on a chaque année, il y en a qui sont bousillés comme ça, vous êtes sorti du régime linéaire. Mais a priori, si vous ne tirez pas trop dessus, il est linéaire. Donc les physiciens adorent ça, parce que dès que c'est linéaire, ça permet de faire des maths de façon raisonnablement simple. Le paradigme dominant en matière de changement climatique est finalement assez linéaire. C'est-à-dire que si vous décomposez le vocabulaire qui est employé, le paradigme dominant est relativement linéaire. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez un petit peu les littératures, on vous parlera par exemple du terme de sensibilité climatique. Et bien, la sensibilité climatique, c'est exactement la même chose que le coefficient K que les étudiants de première année cherchent de proportionnalité entre la réponse et la force, c'est-à-dire vous augmentez la concentration en gaz à effet de serre, vous créez ce qu'on appelle un forçage radiatif. Tout ça, c'est des vocabulaires qu'on voit. Créer un forçage radiatif, et en réponse à ce forçage, ici, c'est le ressort qui s'allonge. Dans le cas du changement climatique, la température qui monte. Et vous avez un coefficient de proportionnalité entre les deux. Alors, c'est extrêmement commode pour les négociations internationales, parce que ça vous dit, si vous arrivez à telle concentration de CO2, vous avez tel changement de température. Si vous doublez, vous avez deux fois plus, enfin, c'est doubler le logarithme pour des raisons physiques, c'est le logarithme de CO2 qu'il faut prendre, c'est pas très important. Mais vous avez une proportionnalité entre un forçage, donc une perturbation si vous voulez, si vous avez perturbé votre sol, vous avez une proportionnalité entre le forçage et la réponse. On va voir deux, trois graphiques, pas beaucoup, je ne vais pas vous inonder de graphiques, mais en fait, le message à retenir, c'est que tant qu'on réfléchit à l'échelle globale, je devrais dire planétaire, mais j'ai envie de dire global pour vraiment penser au globe terrestre. Alors, la tour, il rigole parce qu'il dit, chaque fois que vous voyez le globe terrestre, vous faites un geste qui n'est pas plus grand que 50 cm. Enfin, on est entre nous. Donc, l'idée, c'est l'idée d'une sphère, c'est la sphère de Fourier, quoi, c'est celle-là. Donc, tant que vous réfléchissez à l'échelle de cette sphère, ça marche assez bien. Donc, la proportionnalité entre le forçage radiatif et la température, on pense que ça marche assez bien. Je n'ai pas dit qu'il fallait monter à 25 degrés, mais globalement, c'est une bonne base. Encore un graphique un tout petit peu abscon avant de continuer. Un autre élément de vocabulaire qui est très présent chez les climatologues, c'est la question de réponse et, je vais quand même le dire en anglais, feedback. Alors, si vous voulez le traduire en français, c'est rétroaction. Pour vous dire à quel point c'est ancré, en 2002, donc j'avais terminé ma thèse ici, j'ai postulé pour un job en Angleterre au IB Center. L'IB Center, c'est un centre climatique, ça avait été financé par Margaret Thatcher à l'époque, qui se voulait un centre d'excellence sur le changement climatique. Et donc, à mon interview d'embauche, on m'a demandé quels sont les feedbacks pertinents dans le changement climatique. Donc, pour vous dire à quel point, c'est la notion que tout débutant dans le domaine doit connaître. Le feedback. Donc c'est vraiment un vocabulaire extrêmement marqué, extrêmement présent, extrêmement structurant. Vous suivez nos cours ici en climatologie, réponse, feedback, il y en a un qui les a subis ici, tu ne diras pas que ce sont des mots qui reviennent très souvent. Si ? Ça revient. Ouais, ça revient. Bon, donc, un forçage radiatif cause une réponse à la température. Je vais dire, repeat after me. Donc, comment ça marche ? En fait, ce vocabulaire-là, il rentre dans la littérature dans les années 70, principalement.
On fait une analogie avec les circuits électroniques. Si vous faites de l'électronique, réponse, feedback, amplificateur, rempli opération, tout ça, ça revient tout le temps. Donc en fait, on récupère ce vocabulaire-là pour l'appliquer au changement climatique, et ça marche pas mal. Et ça marche d'autant plus facilement, je veux dire d'autant plus commodément, hein, c'est français, qu'une bonne partie de la climatologie est quand même faite, climatologie physique, est quand même faite avec des simulateurs. Et donc avec un simulateur climatique, c'est ma modèle de climat global, GCM. Avec un simulateur climatique, c'est relativement commode, beaucoup plus commode que sur la vraie Terre, de mesurer une température moyenne globale, de mesurer un forçage radiatif. Toutes ces quantités arrivent finalement assez commodément. Et donc on fait, si vous voulez, un métamodèle, c'est-à-dire comment on pense la réponse du simulateur. Ben voilà, j'ai un forçage, j'ai un gain, si vous voulez, j'ai une variation de température, et j'ai des feedbacks. Et feedback, c'est quoi? Ben voilà, j'augmente la température, par exemple. Je suis toujours au premier cours de première année de climatologie. J'ai une variation de température. Par conséquent, la température des océans augmente. Et puis, physique, Clausius Clapeyron, pour ceux qui aiment ça. Si j'ai de l'eau plus chaude, la concentration en vapeur d'eau augmente. Ah, mais la concentration en vapeur d'eau, Fourier nous avait déjà expliqué, il ne s'était pas trompé, que c'était un gaz à effet de serre. Donc, ça m'aurait créé un forçage radiatif. Et là, je suis en train de tracer un diagramme que les électroniciens connaissent bien, que les ingénieurs qui font de la théorie du contrôle connaissent très bien, ou les mathématiciens appliqués, appelez ça comme vous voulez. Ça veut dire qu'on a l'idée d'une boucle directe et d'une rétroaction. Et donc, tout ça, on est dans le connu. On est dans des maths tout à fait documentées. Donc, on est à l'aise, si vous voulez. On est dans du domaine pour lequel on a accès à des bibliothèques entières sur la façon de traiter ces systèmes. Je ne vais pas vous le faire, on ne va pas faire une bibliothèque entière maintenant, mais vous vous rendez compte qu'on est, on est sur du velours, si vous voulez, quand il s'agit de formaliser le vocabulaire. Donc, exemple, je ne vous fais pas un cours, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai piqué ces slides dans les taux. Vapeur d'eau, nuage, voilà. Alors, en interview d'embauche, on m'a demandé de citer tous ces mots-là. Et la dame, elle s'est calmée quand je lui ai parlé des nuages, parce qu'en fait, il bossait. Bon, alors pour vous dire, c'est un autre diagramme un peu chiffré à quel point ce paradigme linéaire fonctionne assez bien. C'est un graphe compliqué. En général, je passe 10 minutes dessus. Mais ce que vous avez ici en axe des X, et vous ne voyez peut-être pas bien du fond de la classe, c'est le CO2, les émissions de CO2 cumulées. Donc ça démarre idéalement en 1800, mais ce n'est pas les années qui sont notées, c'est combien de CO2 on a émis. Donc si vous voulez, vous avez un axe du temps, où le temps, ce n'est pas des années, mais c'est la quantité totale de CO2 que vous avez émis. Évidemment, chaque année, il y en a un peu plus, parce que c'est cumulatif. Donc le temps va bien de la gauche vers la droite, si vous voulez, mais le temps, il est mesuré en quantité de CO2 émis. On n'a pas des heures à passer là-dessus, mais je ne résiste quand même pas à vous faire prendre conscience. Il y a un petit problème de résolution, j'aurais dû mettre le diagramme en plus grand, j'ai fait 100 dernières minutes. Ça c'est 1900, ça c'est 1950, vous voyez on a quasiment fait du surplace. Ça c'est entre 1950 et 2000, et ça c'est entre 2000 et 2020. Donc évidemment il y a une tendance d'accélération parce qu'on en émet davantage chaque année. Et sur l'autre axe, vous avez la réponse de la température moyenne globale. Ce n'est pas un truc qu'on sent, plus 1 degré en moyenne globale, on ne le sent pas. Mais si vous mettez l'un par rapport à l'autre, il y a une partie que c'est des mesures, il y a une partie que c'est des simulations, mais globalement, ça fait à peu près une ligne droite. Ce n'est pas tout à fait une ligne droite, mais enfin, vous avez l'idée que c'est à peu près linéaire. Si vous êtes un étudiant de première année et que vous jouez avec votre petit ressort avec un dynamomètre, vous tracez un graphique qui ne sera pas meilleur que ça. Et vous l'avez, c'est pas notre non, on l'a fait, c'était catastrophique, il était nul, c'est bazar. Ok, donc ça, je ne vous ai pas encore parlé de tipping point. À côté de ça, il y a l'idée que certaines réponses ici sortent de ce cadre linéaire. Donc c'est le ressort qui casse. Alors les paléoclimatologues, c'est-à-dire les gens qui étudient les climats anciens, j'ai cherché quelques exemples, il y en a de plus heureux que d'autres, il y a eu un peu des fausses trouvailles aussi, et puis il y a eu de vraies trouvailles. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien forcé, si vous voulez, c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de cherry picking, j'ai été chercher une série temporelle qui marche peut-être un petit peu trop bien, et je vais passer la polémique qu'elle a suscité un petit peu en dessous du tapis,
Ce n'est pas dans le but de vous tromper, mais c'est dans le but d'illustrer l'idée. Hein. Donc on est d'accord sur la teneur de l'exercice ici. Hein. Donc la donnée que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci. Alors il faut qu'on regarde un petit peu ensemble. À nouveau, alors, j'ai mis mes sources, hein, mais ce n'est pas un diagramme que j'ai fait moi-même. Donc ici, le temps, il va à nouveau de la gauche vers la droite. Les années, regardez quand même, on parle en milliers d'années, donc on parle de 10 000 ans. Alors, sur l'axe des Y, vous avez un pourcentage de... Alors, Thierry Genius, c'est un pourcentage de matière minérale, hein, pardon, de matière, excusez-moi, de matière organique par rapport aux matières minérales qui ont été prélevées dans un endroit particulier. Alors, vous imaginez l'Afrique. Et ils sont allés avec un bateau et ils ont échantillonné les sédiments là, c'est-à-dire dans l'océan. Il faut savoir que là vous avez des vents dominants, qui s'appellent les alizés, qui ont tendance à pousser le sable ou la terre qui se trouve au Sahara, et année après année, ça se dépose dans les océans, ça va assez rapidement, et comme ce sont des particules qui sont plus lourdes que l'eau, une fois qu'elles sont mouillées, en tout cas, elles tombent, et donc elles s'accumulent. Et donc par conséquent, si vous avez ici une situation où vous avez un bon couvert végétal avec du sol qui s'est formé, ben vous allez souffler un petit peu de terre. Si c'est comme aujourd'hui, le Sahara est tout à fait désertique, vous allez pousser beaucoup de sable. Donc l'idée principale, je crois que je me suis trompé dans l'interprétation hétérogénéeuse. Mais enfin, l'idée principale est la suivante. C'est que ce que ce graphe montre, c'est qu'on est passé d'un stade où il y avait probablement davantage de végétation dans le Sahara à un stade où il y en avait beaucoup moins. Le Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est tout à fait désertique. Je n'ai pas dit que c'était l'Amazonie, hein, mais il y avait des buissons, il y avait quand même, en tout cas, une steppe relativement dense, hein, sur une bonne partie du Sahara. Les archéologues connaissent ça très bien parce qu'ils ont également pu trouver des vestiges de civilisation qui nécessitaient davantage de végétation, davantage de points d'eau. Donc ce qui est important à retenir ici, même si je vous avoue une petite faiblesse sur l'interprétation de la Y, c'est qu'une période qu'on appelle la période humide africaine s'est terminée relativement rapidement. Alors la controverse, elle tient au fait de savoir si cette donnée-là n'est pas sursensible à un déplacement du front, ou est-ce que ça reflète quelque chose qui est vraiment interprétable à l'échelle régionale. Il y a des arguments dans un petit peu toutes les directions, on ne va pas parler de ça maintenant, sinon on en sortira. La cause de ce changement est liée à des variations d'orbite terrestre. On les connaît relativement bien, la cause ultime. Mais ces variations d'orbite terrestre sont relativement lentes, sont relativement douces, et donc, même si on a une variation qui est relativement lente, on a à un moment donné un changement de régime qui lui semble assez brutal. Et ça, si vous voulez, alors dans les papiers originaux, il ne parle pas de tipping point, mais quand on parle aujourd'hui de tipping point, de tipping element, hein, de point d'élément de bascule dans la littérature, c'est à ce genre de choses, et vous le verrez plus tard, qu'on fait référence. Donc si vous voulez, ça vous donne un petit peu le type d'exemple qu'on va chercher. Si vous êtes climatologue et qu'on vous demande de vous exprimer sur les points de bascule, c'est le type d'exemple qu'on va aller chercher. Maintenant, comment on le rationalise? Je vous ai mis quelques diagrammes, on va les regarder ensemble. Mais je dois tenir compte du fait que moi-même, il m'a fallu plusieurs heures pour les comprendre, et je dois ici les expliquer en 3 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc disons qu'on va faire une expérience didactique ici. On va voir le résultat. Quel est le point fondamental sur lequel on doit s'appliquer pour expliquer ce basculement? C'est que d'un côté, la végétation a besoin d'eau pour vivre. D'un autre côté, lorsque vous avez un couvert végétal important, ce couvert végétal a une modification sur le climat régional qui tend à promouvoir la formation de précipitations par différents mécanismes. Bon, il y a des changements de température du sol et des changements de flux de vapeur d'eau parce que la végétation est très bonne pour évapotranspirer, c'est-à-dire aller chercher l'eau de la nappe phréatique. Tout ça crée des modifications à l'échelle du couvert végétal qui, globalement, ont tendance à renforcer les épisodes de mouvement. Il vous faut des années de recherche pour le montrer. Donc ici, il faut me croire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez de mettre sur un graphique
d'un côté le couvert végétal et d'un autre côté la quantité de précipitation. Ce graphique va prendre une allure sigmoïde. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de précipitation, vous n'avez pas de végétation. Mais si vous avez suffisamment de précipitation, il arrive un effet de seuil. Hein, vous savez tous, quand vous faites des salades, vous avez un potager, n'est-ce pas? Donc, à partir du moment où, si c'est suffisamment arrosé, hein, tout se passe bien. Donc, la non-linéarité, elle se trouve là. Elle se trouve dans le caractère sigmoïde de cette courbe. D'un autre côté, on a ce postulat que si vous avez un couvert végétal important, les précipitations vont être plus abondantes. C'est un effet climatique, moins un effet météorologique. Donc, on peut tracer une autre courbe, qui est la suivante. Imaginez que je vais se mettre dans un contexte expérimental. Imaginez que je peux contrôler la quantité de végétation. Je décide moi-même, hein, quelle est la quantité de végétation. Donc voilà, je fais de l'agriculture. Et je regarde, une fois que j'ai fixé, donc c'est vraiment l'expérience de l'esprit, que j'ai fixé cette quantité de végétation, je m'intéresse à la quantité de précipitation qui tombe. Hein, donc j'ai pu contrôler le couvert végétal et donc le climat répond. Je crée une autre courbe, qui est cette fois-ci la précipitation, oubliez le E1, précipitation en fonction de la végétation. Donc si je peux, c'est une vue un peu absurde, hein, mais on peut le faire avec un ordinateur par exemple, on peut le faire dans des simulations numériques. Donc si je peux contrôler le couvert végétal, le climat va répondre en donnant une certaine quantité de précipitation. Alors ce qu'il faut comprendre, moi, il m'a fallu un petit temps quand je l'ai appris la première fois, c'était il y a 20 ans, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un équilibre à l'endroit où ces deux courbes se croisent. Parce qu'il faut que la végétation soit contente avec la précipitation qu'on lui donne, et que la quantité de précipitation qui est climatiquement générée par la végétation soit bien celle qu'on obtient. Donc en fait, c'est là où ces deux courbes se croisent qu'on va trouver un équilibre. Voilà. Je vois que certains ont bien compris, d'autres, mais vous vous sentez pas idiot, vous dites, moi, il m'a fallu un certain temps, et donc si on n'a jamais vu ce type de courbe avant... Alors maintenant, il y a l'autre point à voir. Supposez que l'orbite de la Terre change. Ça veut dire que vous avez des facteurs externes. C'est ces facteurs externes, E, qui vont être modifiés également. Parce que peut-être que pour une même quantité de végétation, si la Terre est plus ou moins proche du Soleil en été, vous allez avoir davantage de précipitation. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que l'orbite va changer, cette courbe en bleu va être translatine. La végétation, ça reste de la végétation. Mais la quantité de précipitation qui tombe, ça va dépendre de ces facteurs externes. Et donc, vous pouvez avoir un cas de figure où cette courbe est déplacée vers la gauche, et puis regarder ce qui se passe. L'équilibre est là. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un autre équilibre possible. L'équilibre est là. Et puis, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que la courbe va se déplacer, l'équilibre va disparaître. Les mathématiciens adorent ça, ils appellent ça une bifurcation Fould. Hein, et puis, pof, et on tombe brutalement. Donc là, et puis à un moment donné, on tombe. Alors, dans tout ce que je vous ai expliqué là, c'est que vous avez... Et alors, on fait des diagrammes comme ça, peu importe. Ce qu'on est en train de faire, c'est que j'ai confié mon problème climatique à un mathématicien. D'ailleurs, la personne qui m'a montré, la première fois, j'avais 22 ans, il s'appelait Victor Bovkin, c'est un mathématicien. Il dit, ce que tu vois, c'est une bifurcation celle. Ça veut dire qu'on prend des équations, c'est les équations qui font apparaître des d sur dt. Ça veut dire que pour le physicien, il est à l'aise à partir du moment où il écrit que l'évolution, c'est important parce que ça va revenir dans l'exposé de Sander van der Weyde. Donc essayez de bien comprendre ça. L'évolution d'un système dépend de l'état de ce système. L'évolution d'un système dépend de l'état de ce système. Et quand vous êtes physicien, vous écrivez l'évolution d'un système, vous écrivez d sur dt. Le d, c'est la variation de l'état, dA, ici, voilà, l'état c'est A, hein, hein, en fonction du temps. L'évolution, c'est le changement, c'est l'incrément. Eh bien, ça dépend, une fonction de l'état du système. Et ici, l'état du système, il est complètement décrit par A, B, C. J'aurais pas dû mettre des petits points. Donc, vous avez ce jeu, avec le physicien qui dit, ou le climatologue, « Ah ben, je dois écrire les équations. » Merde, c'est toujours un point maintenant, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je modélise. Je modélise, et pour faire de la modélisation, je tiens compte de l'état du système et puis de ce que je sais des lois physiques. C'est quoi les lois physiques? Ah ben c'est des flux de masse, des flux d'énergie, des flux de moment angulaire, des flux de moment cinétique, enfin c'est ce qu'on apprend. Hein. Je tiens compte des processus physiques et puis comme j'y suis quand même un petit peu obligé, je vais aussi de temps en temps voir des écophysiologistes ou des biologistes
qui eux d'ailleurs prouvent que le boulot des physiciens est génial, parce qu'ils se sont aussi mis depuis les années 60 avec les équations comme ça, c'est ce qu'on appelle la biologie mathématique, et donc on a éventuellement des réponses biologiques, c'est la courbe en vert que je vous ai fait subir tout à l'heure. Donc dès qu'on a ça, eh bien on a un monde où les bifurcations deviennent possibles, donc où les réponses brutales deviennent possibles. C'est un formalisme. C'est le formalisme que les mathématiciens appellent les systèmes dynamiques. Est-ce que vous voyez maintenant l'écart entre le premier usage des points de bascule qui est utilisé par un sociologue, et puis ce qu'il en advient une fois que les physiciens s'en emparent, ou les mathématiciens, ça devient une singularité mathématique dans un modèle. C'est ça, la bifurcation. Juste pour encore bien enfoncer le clou, c'est pas pour brûler du temps inutilement, mais c'est pour vous faire prendre à quel point l'ambiguïté est là. Je participe pour le moment à un projet européen, vous savez c'est H2020, il y a plein de papiers, timesheets, H2020, qui s'appelle TIPES, parce que l'Europe nous a demandé de répondre à un appel sur les tipping points. Quel révélateur d'ailleurs au passage. Hein, Katrina c'est 2005. Le mot point de bascule n'existe pas dans la littérature scientifique sur les systèmes Terre, sur le climat. En 2018, l'Europe lance un appel sur les tipping points. C'est quand même assez amusant. Plusieurs de mes collègues sont, comme moi, physiciens ou d'autres sont mathématiciens, et sont tous d'accord pour dire que tipping point, c'est le mot à la mode, le mot marketing, pour en fait parler de bifurcation. Je vous ai promis que je vous ferai la pensée dominante ici. Hein. On va mettre ça en balance tout à l'heure. Alors, un des trucs très, très, très amusants, par exemple, c'est juste pour vous montrer le genre de recherche qu'on fait, donc on va vous prendre une minute là-dessus, puis après on verra deux, trois figures. L'idée d'une bifurcation, quand vous êtes mathématicien, vous pouvez la cadrer avec le principe de ce qu'on appelle le paysage potentiel, potential landscape. Et imaginez un drôle de vase, bon, généralement, vous offrez un vase avec des fleurs, vous avez juste un fond. Hein. Vous imaginez un vase avec deux fonds. Et puis avec une bille qui se trouve dans un des deux fonds. Si elle est dans un des deux fonds et que vous perturbez, elle va revenir et vous êtes exactement dans le cadre de la réponse linéaire. Alors maintenant, le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, ça peut se formaliser mathématiquement comme étant un vase avec deux fonds. Un fond qui serait le désert et un fond qui serait la forêt, par exemple. Alors, imaginez maintenant que l'environnement change. Qu'est-ce que c'est que l'environnement change? Ça veut dire que la bille va être forcée de passer d'un fond à l'autre. C'est la bifurcation. Alors, ce que je vous ai montré ici, c'est ce que les mathématiciens et les physiciens appellent une forme normale, c'est-à-dire c'est la bifurcation exprimée mathématiquement de la façon la plus parcimonieuse qui soit. Donc, la façon la plus synthétique qui soit, si vous voulez. Alors, un des points amusants, c'est que vous imaginez maintenant si je... Donc, j'ai mon vase à deux fonds. Je lève un des deux fonds, à un moment donné, il n'y a rien à faire, la bille, elle va tomber dans l'autre fond, j'aurai la bifurcation. Alors ce que les mathématiciens se sont amusés à faire, c'est imaginer un cas un petit peu plus marrant, où en plus de passer d'un fond à l'autre, on imagine que la bille est soumise à un mouvement brownien, donc c'est-à-dire elle est constamment agitée, elle sera agitée par la chaleur par exemple. Donc la bille va vibrer, je vais vous montrer l'animation, la bille vibre sans cesse. Et donc ce qu'on va regarder, c'est l'amplitude de ces vibrations. Donc tout ça, si je vous parle de ça, ça a l'air, je vous suis venu pour des points de bascule, vous êtes en train de me faire un cours de physique, mais c'est simplement parce que tout ce que je suis en train de vous montrer se trouve dans la littérature qui s'appelle maintenant littérature sur le tipping point. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est un papier de Dacos 2009, il y a tipping point dans le titre. L'animation, là, je l'ai refaite moi-même, je pourrais vous montrer le papier en question. Alors on va là, ah zut, donc vous voyez la petite bille qui vibre, et alors la variation, l'amplitude de la variation, elle est là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant qu'elle ne tombe, la variation augmente fortement, et puis tombe, et puis il y a d'autres indicateurs. Il y a toute une littérature sur ce qu'on appelle les early warning signals, les signaux d'alerte. Ça veut dire que si je suis dans ce paradigme, cette façon de penser, cette façon de modéliser, cette façon de poser des questions, d'une bifurcation, j'ai accès à ce que les mathématiciens me donnent. Donc bifurcation, ça veut dire que mon système a un état, que l'évolution du système dépend de cet état, et que je vais connaître une bifurcation.
eh bien, la bifurcation, si je mesure bien mon système, à la limite, je peux la voir venir. Donc, il y a tout un pan méthodologique qui se met en place sur le fait de traquer ces signaux d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des modèles, on a l'idée même qu'un point de bascule est possible, on a des concepts mathématiques qu'on peut utiliser, qui sont développés depuis des siècles. Donc, prochaine étape, faire l'inventaire. Donc, on fait ce qu'on appelle l'inventaire expert. Où sont les éléments de bascule? Qu'est-ce qui peut basculer? Et là, je vais vous montrer un diagramme qui a dû être montré des milliers de fois. Ça devient lassant parce que n'importe quel taux sur les tippings, sur les points de bascule, on se le bassine. Bon, mais vous, comme vous êtes un peu plus vierge, je vous le montre en toute candeur. Donc, vous voyez, c'est un papier de 2008. Hein. Et il a vraiment fortement marqué les esprits. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une projection de la Terre avec une projection... enfin, on peut discuter si c'est la bonne projection, avec des zones en bleu, des zones en rouge, etc. Et vous n'arrivez pas à lire du fond, surtout si c'est écrit en jaune, mais où on a représenté des éléments qui pourraient basculer. Vous retrouvez le Sahara. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le cas d'une augmentation de CO2, le point de bascule pourrait aller dans l'autre sens, et pourrait être un verdissement du Sahara. Qui, a priori, n'est peut-être pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Mais vous pouvez, en revanche... Et ça, évidemment, c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de préoccupations légitimes aujourd'hui, c'est la désertification de l'Amazonie, hein, pour d'autres raisons, par une combinaison mécanique de changement climatique et de désertification tronçonneuse. Mais vous en avez différents, par exemple, l'idée d'une perte de forêt boréale, ça pourrait être rapide, bien que dans le passé, ça n'a jamais été si rapide que ça. Pour ceux d'entre nous qui aimaient bien les films hollywoodiens, c'est-à-dire pas moi, il y avait eu ce fameux film The Day After Tomorrow, le jour d'après, hein, où on vous explique que New York était... C'est évidemment romancé, mais l'idée que la circulation océanique nord puisse s'affaiblir fortement fait partie des points de bascule, des éléments de bascule dont on parle régulièrement. Et voilà, vous avez tout un inventaire qui génère tout un programme de recherche. Alors revenons maintenant au début. On est presque à la fin de mon intervention. Revenons un petit peu au début. Lorsque on parlait au début de cet équilibre radiatif, je vous ai expliqué, c'est un bel instrument pour les négociations internationales parce que cette linéarité nous permet d'établir un lien entre une température moyenne globale et des émissions de CO2. Quant à Paris, on dit on va essayer de rester largement en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5. En fait, on arrive à mettre cette négociation sur la table parce qu'on sait à peu près ce que ça représente en termes d'émissions. À peu près, parce que le coefficient de proportionnalité, ici, il n'est pas connu à 5 décimales, je peux vous le dire. Il n'est pas connu à 1 décimale. C'est quelque chose entre 2 et 4 degrés pour un degré de CO2. Ce n'est pas parfait, la connaissance. Mais au moins, on a un ordre de grandeur, donc, et ça a été suffisant pour faire des négociations. On se rappelle qu'Hélène Guimot est venue ici parler du fait que, justement, le fait que ce soit ambigu a probablement aidé les négociations. Ceci dit, des autres auteurs assez dominants dans la littérature, Shell Nuber, j'ai cité son nom déjà aujourd'hui, c'est un des premiers à utiliser le terme tipping point, et donc il s'est fendu, après les accords de Paris en 2016, d'un article dont j'aurais pu remettre le titre ici, « Why the right climate target was agreed in Paris hein, », pourquoi est-ce qu'on a pris la bonne cible. Et il a fait un inventaire, alors comment il présente ça? Il dit, voilà, vous avez la température moyenne globale, c'est comme ça qu'elle a évolué sur les 20 000 dernières années. Avec les différents scénarios d'émission, bon, on va faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 8 degrés. Et au fur et à mesure que vous réchauffez, eh bien, il y a ces différents points de bascule. À nouveau, c'est écrit petit, vous n'arrivez peut-être pas à lire le fond de la glace, je dis glace parce que Groenland, Antarctique, vous commencez à menacer ces différents éléments, différents points de bascule, danger. Alors, le point de bascule a une double connotation un petit peu ambiguë, c'est que ça pourrait être quelque chose qui est brutal en quelques années, alors que le forçage est relativement doux, c'est comme ça que je l'ai présenté pour la végétation. Si vous lisez ces papiers, ils ont un petit peu recyclé le concept, de façon plus ou moins annoncée, de façon plus ou moins acceptée, que c'est un seuil irréversible, c'est-à-dire un commitment. Donc par exemple, si vous dépassez 2 degrés, le Groenland est condamné. Le Groenland va fondre. Tous les glaciologues sont d'accord là-dessus. C'est peut-être 2,5, hein, c'est l'ordre de grandeur. On y est quasiment.
Mais il ne va pas fondre en 10 ans. Il va fondre en 500 ans. Donc ici, on a une réponse qui est même lente à la limite par rapport au forçage, mais en réalité, du tipping point, c'est... Le tipping point, c'est plutôt, ça me fait plutôt penser, il y a un concept en aviation, quand vous lancez votre avion sur une piste de décollage, à un moment donné, vous avez un point de non-retour, vous ne pouvez plus freiner, sinon vous pouvez. Hein. Donc si votre avion a un problème, il faut décoller. Sinon, vous tuez le passager. Voilà. Donc le terme tipping point a parfois été recyclé pour parler de ça. Alors après, l'imagination des gens qui sont derrière cette littérature est parfois sans fin. Donc on pourrait imaginer maintenant que les tipping points, ces points de bascule, ils commencent à se déclencher les uns des autres. Ah, si je fonds le Groenland, ah ben j'ai un problème sur la circulation. Si j'ai un problème sur la circulation, j'ai un problème sur la mousson. Si j'ai un problème sur la... etc., etc. Et donc, il a émergé ces deux dernières années la notion de cascade de points de bascule. Et cette cascade de points de bascule a été mise en évidence dans un article auquel j'ai malheureusement contribué, mais je n'ai pas été très content, finalement, d'une figure qu'ils ont produite un petit peu en dernière minute, et enfin, avec un co-auteur, c'est cette figure-ci. Et elle vous dit ceci, à nouveau la résolution n'est pas terrible. Voilà la Terre. Hein. La Terre est, pendant longtemps, est passée d'un stade glaciaire à un stade interglaciaire, hein, et nous menaçons de tomber dans cette zone rouge qui fait un peu penser à l'enfer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous déclenchez les points de bascule les uns après les autres, ça devient incontrôlable. Théorie du contrôle, hein. Incontrôlable ou non-manageable, hein, ingérable. Et donc, les sociétés elles-mêmes ne sont plus en mesure de gérer les conséquences d'une cascade. Et ça, c'est un papier de 2018. En 2020, il y en a encore un qui est sorti, pas tout à fait par les mêmes auteurs. Disons que les auteurs qui ont été un peu agacés par cette figure dont je fais partie sont un peu sortis du groupe. Mais les autres ont publié une autre diagramme similaire. Et pourquoi ça t'a agressé ? Parce que cette figure a deux raisons. La première, c'est que d'abord, c'est, moi je ne le savais pas, c'est Sergio qui est biologiste, qui a attiré mon attention. Déjà, c'est limite un plagiat d'une figure proposée par Waddington dans les années 50 sur les paysages épigénétiques. Waddington n'est pas cité. Moi je ne le savais pas, évidemment. Les premiers auteurs ont annoncé cette figure dans le tout dernier stade. Il y a deux, trois d'entre nous qui sont un petit peu braqués. La deuxième raison, c'est que c'est de l'art. Alors, je suis pour l'art, hein, vraiment. Moi-même, pianiste, l'expression artistique est extrêmement importante, mais il faut trouver le bon endroit pour le faire. Ici, c'est un article scientifique. Et donc, on a une vision ici, en plus, on joue un petit peu sur les couleurs, qui n'est pas solidifié, qui n'est pas cristallisé scientifiquement. En fait, on ne sait pas si la cascade de points de bascule est possible ou pas. Et puis, il y a différents usages de termes, stabilité, temps, qui n'ont pas été formellement définis. Donc, je pense que notre job en tant que scientifique est précisément d'avoir une sémantique impeccable, que les choses soient parfaitement définies, d'annoncer les choses qui sont vérifiées. On peut bien entendu émettre des hypothèses, on peut spéculer, ça fait partie de la... du discours scientifique, mais il faut bien mettre les choses en place. Mais juste, toujours pour essayer de comprendre, pourquoi on ne sait pas si la cascade de points de bascule est possible. Je ne comprends pas quelle est la pointe de... C'est le projet de recherche que je lance maintenant. Parce que on ne quantifie pas suffisamment les échelles de temps qui sont mises en jeu. Il faut quantifier les incertitudes sur le caractère plausible ou non d'un point de bascule. Et puis, il faut voir la dynamique qui se produit une fois qu'il y a différents éléments de bascule qui sont mis ensemble. Et le point central est de connaître la force du couplage. C'est-à-dire que si je perds la forêt amazonienne aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est pas bien. Hein. Mais quel est l'effet quantifié sur la circulation océanique, hein, ces termes de couplage, on ne les connaît pas bien. Donc, au minimum, je pense qu'il faut calculer ça. Donc, mais c'est à quoi on travaille. Hein. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'on spécule sur un phénomène, mais ici, la figure, et surtout la façon dont elle a été produite dans les tout derniers moments, c'était vraiment une négociation. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je veux travailler en science. Ça c'est assez clair. Bon. Alors, ceci dit, il y a quand même un élément intéressant dans cette idée, parce qu'il y a plein de bonnes choses dans ce papier, lisez-le, il y a plein de bonnes choses dedans, c'est la figure qui m'énerve. Il y a plein de bonnes choses dans ce papier,
avec Emile Vanco. Parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a des comptes, du supplémentaire immatériel, des annexes, quoi, hein, qui ont beaucoup de valeur. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur ce papier. Évidemment, la presse a retenu ça. Hein. La presse a retenu qu'on allait en enfer. L'idée est la suivante, c'est qu'ils veulent mettre en évidence l'idée de stewardship, c'est-à-dire que ce sont les mécanismes sociaux qui eux-mêmes vont créer les barrières de potentiel. C'est-à-dire que c'est les mécanismes sociaux qui vont créer les rails sur lesquels on va rester dans une terre qui est sympa, habitable, si vous voulez. Donc il y a une espèce d'ambiguïté qui n'est pas inintéressante, en tout cas d'un point de vue heuristique, qui est ce paysage, ce que vous retrouvez, le landscape potential, ce paysage, c'est pas uniquement la terre, la végétation, c'est aussi nous. Et donc c'est l'idée que les forces sociales ou sociologiques, enfin appelez ça comme vous voulez, hein, sont elles-mêmes des éléments qui génèrent des barrières de potentiel ou qui les lèvent. Donc par exemple, on peut imaginer que des régulations internationales, des lois, des conventions internationales, deviennent effectivement des barrières de potentiel, des guides. Et c'est ça, ce concept est intéressant. C'est ce concept-là, je pense, qu'il voulait mettre en évidence dans le papier. Je m'arrête là. Hein, je crois qu'officiellement, j'étais censé parler 20 minutes, j'ai utilisé 40 minutes, mais ça va. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est le point de vue d'un anthropologue. Lorsque j'ai préparé cet exposé et cette session, j'ai contacté des gens qui font de la psychologie sociale, j'ai contacté les économistes, beaucoup se sont montrés, même des gens qui font du droit du travail, il y a beaucoup qui se sont montrés intéressés, mais les contraintes d'agenda ont fait que ça s'est mal placé. Et donc, j'ai fait un truc, alors c'est honnête dans la mesure où j'ai contacté l'auteur et je lui ai expliqué exactement mes intentions, donc pas de tricherie, mais j'ai choisi une solution un petit peu de facilité, c'est que j'ai repris un talk vidéo, vous allez le voir, qui a été donné dans un contexte un petit peu différent. Ce contexte est une conférence qui s'est donnée à Exeter, en Grande-Bretagne, en 2019, qui était un hommage au centenaire de James Lovelock, une personne qui a écrit beaucoup de livres, et qui a, allez, on va dire qu'il a fait la théorie Gaïa. Après, qu'est-ce que c'est que la théorie Gaïa? Vous avez invité Sébastien Dutreuil, il a fait une thèse de 900 pages sur la question. Mais Sander van der Leuk, que j'avais déjà rencontré un an auparavant, nous a fait une conférence que j'ai trouvée fascinante. Le problème, c'est qu'elle dure 40 minutes. Et je sais que si je vous impose une vidéo de 40 minutes en anglais, vous allez tous vous endormir. Donc je l'ai édité. J'ai rajouté 2-3 écrans intermédiaires pour un petit peu essayer de structurer les choses. C'est en anglais. Mais on peut vite faire un débriefing, mais vous voyez, vous allez voir, il parle un anglais lent, clair, les mots sont bien choisis, donc à mon avis, ça va passer, hein, mon temps d'expérience ensemble. Voilà. Premier cours de physique, c'est des cours de mécanique. Et la vision peut-être d'un biologiste, mais certainement d'un anthropologue, c'est que l'anthropologue a vraiment une attention soutenue au contexte. Et donc par conséquent, je peux avoir des bibliothèques entières, mais le contexte va faire que ces bibliothèques vont servir d'une façon ou d'une autre, ou elles ne vont pas servir du tout. Et donc le point de bascule, moi, entre guillemets, dans ma vision de mécanicien, hein, vous avez compris que je suis sensible aux autres vues aussi, mais dans ma vision de mécanicien, je le vois comme une bifurcation, c'est quoi? Ben c'est que mécaniquement, alors que les règles sont établies, les D sur DT, les équations sont là, je suis à un état qui fait que je bascule. Et peut-être, mais il faudrait les faire parler, mais il y en a quelques-uns à l'université, que l'anthropologue, peut-être que le démographe, peut-être que le sociologue, le philosophe, va dire non, le point de bascule arrive quand le contexte change, qui va générer des réactions qui vont être plutôt adaptives ou mal adaptives. Et c'est là qu'on ne parle plus simplement d'une information qui peut se mesurer avec l'entropie de Shannon. Hein, je n'ai pas, quelle est l'entropie de l'encyclopédie universaliste, quelle est l'entropie de Wikipédia, j'en sais rien. Je peux peut-être la calculer avec un algorithme, hein, l'entropie de la Bible, peut-être que je peux la calculer. Quelle est son action sociétale, ce chiffre-là ne va pas me le dire. C'est un nid d'entropie, puisque c'est de l'information. Oui, d'accord, mais si c'est juste mettre un signe moins, je ne change pas le contenu du débat.
Et donc, or, cette question de contexte, on est démunis, scientifiquement, je suis extrêmement démuni pour traiter le contexte. Emmanuel Piccoli, anthropologue. Ah, ouais. C'est croisé, c'est un peu mieux. Oui, merci. J'avais envie de réagir là-dessus. Et puis, une chose qui, moi, m'intéressait, m'avait aussi frappée dans mes travaux de recherche en milieu, principalement dans les Andes péruviennes. Et donc, ce qui m'a aussi intéressée, quoi, c'est les différentes manières d'être en relation avec l'environnement, donc les éléments de l'environnement, puisqu'il n'y a pas une nature identifiée comme externe, mais des multiples éléments avec lesquels on est en interrelation là-bas. Par rapport à là-bas, qui existe là avec d'autres visions du monde, évidemment modernes et présentes, et d'autres choses. Et par rapport à ce qui. Il me semble que dans une vision moderne, ce qu'on a surtout. Il y avait vraiment cette déconnexion, penser le progrès humain sans penser la planète qui allait avec, hein, vraiment modèle de extraterrestre, modèle de développement, etc. Et donc, on a de perdre, de plus avoir cette vision d'un. Possible rapport de force et donc d'écoute des signaux de l'environnement, des différents éléments de l'environnement, dans la perception du fait qu'il fallait pouvoir négocier avec des éléments qui pouvaient avoir un effet très très fort, donc qui était dans le rapport de force, on était dans une relation où l'environnement changeant peut vraiment avoir un effet sur la société, c'est pas la société qui domine uniquement ce qu'elle perçoit comme nature. Dans les Andes, quand on va faire une carrière, traditionnellement, je veux dire, tout ça change et bouge évidemment beaucoup dans l'extractivisme, mais on va d'abord négocier avec la montagne l'autorisation de faire cette carrière avec un certain nombre de dons qui vont avoir lieu. Si on ne le fait pas, il est très clair que la montagne risque de se venger. Alors elle va se venger en prenant des vies dans des accidents, mais aussi en provoquant des éboulements, et donc il va y avoir toute une série de risques. Mais donc, il y a une conscience, une forme de rapport de force entre les éléments de l'environnement où qui va être lu éventuellement comme une vengeance, mais qui est aussi un aspect très pratique. Enfin, il y a une dimension de respect qui permet qu'on n'ait pas non plus des conséquences. Cette perception, elle permet aussi vraiment d'arriver à... Enfin, et donc, du coup, évidemment, parce que le changement climatique est assez simple dans ce modèle-là. On va trop loin, on a pris trop, et on reçoit des conséquences qui ne sont pas forcément aussi faciles à appréhender. En fait, en fonction des catégories de contraintes, je pense qu'il y a une... Ça fait aussi le contexte dans lequel on est capable d'entendre un certain nombre d'informations, parce qu'on pense qu'effectivement, des éléments de l'environnement peuvent avoir un effet très très fort sur des politiques, pour l'espace de prise de décision de la société, des politiques. Il n'a pas jusqu'à présent vraiment réussi à prendre comme ça, en compte suffisamment le fait que l'homme ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. J'ai l'impression que cette tension, elle est vraiment transversale, et alors du coup, on touche à des choses assez fondamentales dans la manière dont se construit les rapports humains. J'avais envie de partager. Oui. Cinq secondes, simplement, parce qu'effectivement, une des critiques que... on en revient aussi à la critique du mot anthropocène. Hein. Il y aurait une société qui se comporte d'une certaine façon, alors qu'effectivement, et ça c'est évidemment votre boulot, qui est de vous montrer qu'il n'y a pas une société avec un type de comportement et un type de relation à la nature. Il y a une chose qui me dérange toujours, c'est l'usage de notions telles que l'entropie dans un contexte de sciences humaines. La plupart des notions, spécialement de thermodynamique, sont définies dans des systèmes supposés isolés. Or, la vie se développe toujours à des interfaces. Où est-ce que la vie se développe d'une façon riche? Dans les vallées, sur les rives des océans, etc. Tout bêtement, comme le moulin qui utilise le flux d'eau qui coule de la montagne vers la mer. On exploite toujours les échanges entre des milieux différents. Et ce qui fait que les notions simples thermodynamiques m'apparaissent rarement adaptées aux phénomènes vivants et aux phénomènes sociaux. Mais je vais vous laisser battre avec votre voisin, parce que ma réponse, je l'ai déjà donnée, c'est qu'effectivement, la notion d'entropie telle qu'on l'utilise ne tient pas compte du contexte. Mais je suis d'accord sur l'aspect plus global
La Terre n'est pas un système isolé. Le premier dia, c'était le rayonnement solaire qui nous apporte une quantité d'énergie incroyable, qui a permis le développement notamment de la vie. Et aujourd'hui, on ne s'appuie peut-être pas assez sur cette énergie entrante. On est en train d'épuiser l'information qui a été accumulée grâce au rayonnement solaire, grâce à la chlorophylle dans les fossiles, les composés organiques fossiles, qu'on est en train de brûler à toute allure. Et donc on est en train de gaspiller des millions d'années d'énergie entrante. Et donc certains disent effectivement qu'il faudrait aujourd'hui utiliser des énergies renouvelables parce qu'elles s'appuient sur les flux solaires, que ce soit directement par la photosynthèse, la captation des photons, ou par le vent, les marées, tout ça, qui ne sont que des influences extérieures. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que Georges Courreguel, mais il faut quand même tenir compte, effectivement, que si on ne fait pas attention, qu'on laisse l'entropie se développer, on risque d'arriver à des moments, parce que dans la physique aussi, il y a des courbes qui sont non réversibles, et sortir de certains puits de potentiel pourrait être difficile. Je peux faire un peu d'épistémologie à deux balles, de toute façon les philosophes m'ont arrêté. Mais est-ce que ce n'est pas une caractéristique d'une recherche multidisciplinaire, c'est qu'on s'autorise, on essaie de ne pas trop déraper, mais on s'autorise quelques petits glissements sémantiques. Ça veut dire qu'on s'emprunte des mots les uns aux autres, de façon un petit peu inconfortable, et puis parfois un petit peu abusive, le tout c'est de trouver le bon juste milieu, parce que parfois ces glissements ont une bonne valeur heuristique, il y a des métaphores qui sont parlantes, et puis ça nous aide un petit peu dans notre réflexion, et puis le tout après, c'est de recadrer un petit peu, de remettre un peu d'ordre. Donc c'est comme quand on fait du bricolage, on met un peu de bazar, et puis on range après. Et donc ces mots-là, parce que c'est... Là, Dieu sait si on a déjà eu l'occasion de s'énerver, inviter Jean Ricon, vous l'avez déjà fait, sur l'usage du terme mécanique quantique, et il a beaucoup de choses à dire, évidemment, parce que le terme mécanique quantique, ça peut aller de l'homéopathie jusqu'à le libre-arbitre, enfin bon, ça peut brasser extrêmement large, et puis à un moment donné, ça peut avoir une valeur heuristique, et puis on remet un petit peu de l'ordre. Moi, je suis pour avoir, comme peut-être tout le monde ici, je suis fondamentalement persuadé qu'un système humain, un système naturel, ne se réduit pas à 10 équations. En même temps, de temps en temps, il y a des métaphores utiles. Et l'idée de puits de potentiel, ben, c'est peut-être pas mauvais, au moins, pour nous aider à réfléchir. Le tout, c'est de remettre de l'ordre, et de ne pas se laisser entraîner par les métaphores, et c'est le danger dans un environnement multidisciplinaire qu'on connaît tous. Tout d'abord une remarque et ensuite plutôt une question. Je n'ai pas su formuler précisément la question, mais c'est pas grave, ça n'a rien. Juste une remarque, on parle beaucoup depuis le début de la transition. Comme on adopte trop souvent une approche prédictive, prévisible sur la transition, comment va être la société décarbonée. Or, je trouve que l'approche prospective est beaucoup plus riche, c'est-à-dire quels sont les scénarios. Parce que des scénarios pour arriver à une société bas carbone, il y en a plein, et la raison pour laquelle il y en a une multitude, c'est parce que c'est des choix politiques qui vont nous amener à une société de la carbone. Donc à partir du moment où c'est des choix politiques, cette société, c'est intrinsèquement quelque chose de politique, eh bien, une approche prospective, pour moi, est plus riche. Et donc il ne faut pas parler de la transition, il faut parler des transitions. Enfin non, on fait ce qu'on veut, bien sûr, on dit ce qu'on veut, mais je préconise de dire des transitions possibles ou des choses comme ça, quoi. Ça, c'était juste une petite remarque qui est peut-être une déformation professionnelle aussi. Mais, moi, ma question, plus dans le thème, c'est, globalement, on nous apprend que le changement climatique ou le réchauffement climatique, c'est un phénomène continu sur le temps. Que les boucles de rétroaction, dont vous avez mentionné, par exemple, la glace, l'ensoleillement, la glace à Trudeau, voilà. Ces boucles de rétroaction, elles existent tout le temps, partout. Elles existaient il y a 200 ans, et il y a un phénomène d'amplification. Donc, ces boucles de rétroaction sont déjà actuellement présentes dans le système climatique comme il est.
Et j'arrive pas à rassocier les deux, en fait. J'arrive pas à rassocier le fait que le changement climatique soit un phénomène continu, que les boucles de rétroaction puissent s'amplifier. Je comprends bien l'idée de la vie dans le vase, compréhensible, hein, y a un truc continu, machin, et puis paf. Mais sauf qu'on sait aussi qu'une bille dans un vase, c'est peut-être une des pires modifications du changement climatique qu'on puisse faire. Enfin, c'est, on comprend bien, ça fixe les idées. Mais... Donc ma question, c'est, on est dans un système qui est complexe, avec des boucles de rétroaction déjà à l'œuvre, et un changement climatique qui est continu, et moi j'arrive pas à faire ces liens. Je sais pas si... c'est pas clair, la question, vous avez... Si, si. Enfin, je pense que c'est clair. Je ne sais pas si la réponse le sera, mais je vais tenter quelque chose. À nouveau, je vais répondre comme un physicien. Donc, je vais le faire. Je vais faire exprès de marquer le trait, si tu veux. Hein. Pour nous, le modèle, c'est quelque chose. Le modèle est stable. Le modèle, au sens où les équations que j'écris. Elles décrivent une réalité. Je veux dire, c'est presque platonique. Hein, il y a quelque chose, c'est d'accord. Le système, il est comme ça. Et dans le système, il y a des régimes. C'est-à-dire que j'ai des zones climatiques. Par exemple, j'ai l'âge glaciaire. Hein, j'ai l'interglaciaire. Et puis, je peux passer de l'un à l'autre parce que lorsque le forçage, c'est-à-dire les éléments extérieurs, changent de façon à m'amener hors d'une zone de stabilité, je suis entraîné vers un autre état. Et d'ailleurs, un des grands argumentaires du papier derrière la figure que j'ai un peu critiqué était cette transition entre un âge glaciaire et un âge interglaciaire comme étant deux états qui existent. Ça veut dire quoi? J'ai mon système, je le confie à un étudiant en mémoire ou à un mathématicien, il me trace ce qu'on appelle un diagramme de bifurcation. Ça veut dire, indépendamment même de ce qui s'est produit, de ce qui va se produire, etc., dès que le système est là, il existe des états stables, des états instables, des transitions possibles entre l'un et l'autre, au fur et à mesure que l'environnement change. L'environnement se produit, et donc je génère le risque de passer d'un état à un autre, et c'est là qu'on a ce que le mathématicien va appeler une bifurcation. Donc a priori, rien de contradictoire dans cette affaire. Le système existe, je lui impose un forçage, et puis je peux passer à un moment donné, par un effet de seuil, vers un autre état. Maintenant, ce n'est pas nécessairement un autre état à l'échelle globale, c'est pour ça qu'ils ont inventé les notions de points d'éléments de bascule, mais prends le cas de la forêt amazonienne quand même, c'est quand même suffisamment gros pour être important. Si tu as un phénomène en cascade qui fait qu'à un moment donné, la forêt désertifie à un rythme accéléré, c'est peut-être pas une bifurcation au sens planétaire, mais enfin c'est quand même un événement d'ampleur, de signification planétaire. Donc, le fait que tes équations soient là, hein, de nouveau je résume comme un physicien, tes équations sont là, et un changement environnemental peut, avec ces mêmes équations qui ne bougent pas, elles sont là, faire qu'un état d'équilibre bascule vers un autre, c'est tout à fait possible, mais tu as un paramètre qui peut changer, c'est ce paramètre de l'environnement. Là, évidemment, le biologiste intervient, ou a fortiori l'expert des sciences sociales intervient, il dit, mais non, mais ces équations ne sont pas figées, elles changent tout le temps. D'ailleurs, ce n'est pas des équations, le monde n'est pas régi par des équations, à la limite. Et donc, c'est là qu'il y a, si tu veux, des points de vue qui peuvent être très différents. Oui, moi, j'ai une remarque et une question. Mais ce qui se dégage de mon point de vue de ton exposé, c'est quelque part l'idée qu'on doit avoir des précautions épistémologiques au statut qu'on veut accorder justement à des idées comme tipping point, et même ce que tu avais fait la dernière fois à une autre séance du GRIS, même les modélisations du GIEC, etc. Voilà, il y a un aspect de vulgarisation qui cache parfois des imprécisions, toute une série de questionnements qui sont très intéressants sur le plan scientifique. Mais je me demande si on n'est pas un peu coincé entre deux logiques par rapport à ça. Parce qu'effectivement, un modèle c'est toujours restrictif, il y a des imprécisions, et la vulgarisation a fortiori va en générer encore plus qu'un travail extrêmement pointu et théorique. Après, dans ce genre de cas, étant donné quand même l'impact politique et existentiel des questions dont il s'agit,
Je ne sais pas si dans la balance, c'est la question de quelque part de la sincérité épistémologique ou de la précision ou de la valeur épistémologique des données qui est le plus important comme message à transmettre que finalement le fait que, par exemple, tipping point, oui, quelles que soient les différentes variantes d'explication, ça a une valeur heuristique en fait. Ça a une valeur heuristique énorme. Et à force de précision, on pourrait perdre cette idée qui est quand même mobilisable lorsqu'on veut sensibiliser les gens, montrer en fait l'ampleur du problème face auquel on est à une population qui, à part certaines poches, reste quand même majoritairement dans le déni par rapport à ces questions-là. Donc voilà, je ne sais pas toi, en fait, comment tu te situes par rapport à ça, parce que c'était ma première question. Et la deuxième, c'est plus par rapport à l'action. Est-ce qu'on peut emprunter des métaphores d'une discipline à l'autre? Moi, il y avait un peu une métaphore que je voulais proposer par rapport à cette question contenu ou contexte pour penser le tipping point. Et je pensais à la théorie de Kuhn sur le changement de paradigme. On pourrait dire que c'est une forme de tipping point épistémologique dans une communauté scientifique donnée. Et je vois les éléments que lui, il épingle comme participant à ce basculement, c'est pas uniquement, justement, du contenu. Si on passe d'une théorie scientifique à une autre, c'est pas parce que tout à coup, il y a une meilleure théorie. Ça fait partie des éléments, donc il y a des anomalies constatées, et une nouvelle théorie permet d'expliquer plus de choses que la précédente. Mais comme il y a une commensurabilité entre le paradigme, chez Kuhn, c'est pas uniquement le contenu qui explique le changement de paradigme, mais bien le contexte sociologique, technologique, institutionnel et d'autres éléments qui sont justement pas du tout, qui peuvent pas du tout être appréciés et objectivés scientifiquement, quoi. Donc je me demandais qu'est-ce que tu pensais de cette métaphore pour, Alors la réponse à la première question, comment je me positionne, je suis torturé, vraiment. Et ça c'est sans faire, je dis, c'est un truc qui... Ça va, je passe des bonnes nuits, hein, mais cette question. Je me la pose et je suis probablement un peu instable d'une conférence à l'autre, d'un talk à l'autre, parce que je scie fortement entre. Parce que aussi. Oui, ben oui, mais je vais me planter, ça va se mal terminer. Non, mais pour l'instant, il est en agitation. Pour ça, sans mettre en avant mon expérience individuelle, je dois avouer que j'ai vécu une expérience avec ce papier PNAS qui est quand même énorme parce que. Allez, je vais prendre 5 minutes pour raconter cette histoire, je ne sais pas si elle est intéressante, vous jugerez. Donc j'ai été contacté par les auteurs du papier en question, à peu près un an ou un an et demi avant qu'il soit publié, parce qu'ils voulaient une expertise sur les âges glaciaires, et voulaient aussi une expertise sur la définition mathématique de ce qu'on appelle une bifurcation non autonome, donc ils voulaient quand même ancrer leur papier avec des termes précis, et il se fait que j'ai cette expertise-là pour avoir beaucoup travaillé dans le domaine. Donc, je me suis pris au jeu, on a collaboré, les fameuses annexes, on les a co-écrites. Et puis, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils font ce papier alors que l'IPCC dit à peu près la même chose. Le papier sort et ils ont fait une campagne marketing gigantesque. Ils sont très, très forts. Et moi, parce que je n'avais pas compris ça. Et le téléphone a commencé à sonner. Le jour même, j'ai eu la VRT à la maison. Je ne comprenais pas. Sur une journée, j'ai eu 5 interviews. J'ai eu une TV Canada, VRT qui est venue à la maison. Et mon chien est passé. Plusieurs éléments de presse. Et je ne comprenais pas ce qui était en train de se produire. Et en fait, ils ont estimé qu'en 24 heures, il y a 2 millions du grand public, d'auditeurs, de téléspectateurs qui ont été touchés par le papier. Ça a été le quatrième papier ou le troisième papier le plus gros dans les altmétriques, donc dans les citations de l'année, toutes disciplines confondues. Oui, c'est bien que les Chinois sont fait moins de CFNR. Il est clair que Greta Thunberg a lu ce papier. Parce qu'évidemment, un des auteurs de ce papier est Johan Rockström, qui est au Sillian Center. Il a accès direct, et Greta Thunberg a accès direct à lui. Il est clair que ce papier n'est évidemment pas l'élément important, mais c'était un des éléments mobilisateurs, je dis pour l'utile. Pas le seul, hein, mais c'est clair qu'il a eu un impact. Et moi, je viens vous dire, j'ai honte d'avoir travaillé avec ce papier. Donc tu vois, c'est parce que cette frontière entre la puissance... presque une espèce de peur par rapport à la puissance rhétorique de certaines images et notre travail,
qui est un travail où on est constamment jugé par les pairs, on est jugé sur ton trigger sémantique, on est... Parce qu'évidemment, tu peux t'en douter, j'ai aussi reçu des critiques extrêmement acerbes de certains collègues, certaines paternalistes, d'autres franchement moqueuses, disant, mais écoutez, ce que vous avez mis là, vous n'êtes pas sûr. Et c'est, je crois que c'est une sensation, je ne m'attendais pas à ce genre d'expérience quand j'ai abordé le domaine. Donc c'est certain que si je suis là aujourd'hui au gris, c'est que je m'intéresse seulement à ces discussions, c'est que je suis moi-même un peu torturé par cette dichotomie. La deuxième... Est-ce que c'est une dichotomie? J'ai l'impression que c'est vraiment un continuum. On en a parlé dans la séance sur l'éco-narratologie, enfin parler de la crise, etc. Et on voit bien que la formalisation... c'est une tendance, elle permet de stabiliser certaines notions, etc. Et puis à un certain moment, tu dis, mais là, on ne sait plus, donc on retrouve le vocabulaire courant, le langage courant. Est-ce qu'il faut parler de dichotomie? Peut-être que je suis un peu fatigué, j'ai été lâché le mot sans être sûr de bien comprendre ce que je disais, mais en tout cas, il y a ce que Schneider, comment c'est son prénom, le climatologue, sinon... Steve Schneider disait, il utilisait le mot anglais, terme américain, le double ethical bind. C'est notre double lien éthique. Double lien éthique, c'est-à-dire que d'un côté, j'appartiens à une profession normative. Et Dieu sait si on l'est, si on est évalué. Chaque fois qu'on soumet un papier, un proposal, etc., on est évalué sur des critères académiques et dont je ne peux pas m'écarter, sinon je fais du mauvais travail. Et puis ce lien est responsable par rapport au changement climatique, qui est un lien de communication, qui est un lien de conscientisation, de vulgarisation, de réflexion, d'aide, de soutien politique. Et on a tous des exemples dans notre entourage qui nous montrent que c'est quand même difficile de tenir ce double lien éthique en permanence. C'est un déchirement. Et donc il y a là un domaine dans lequel notre système académique est lui-même un peu torturé. J'ai un petit coup de fatigue, je perds un peu la continuité de mes idées, mais je n'ai pas l'autorité pour parler de sciences sociales. Je sais que, par exemple, il y a ce papier Funtewitz et Ravetz qui fait couler beaucoup d'encre avec ses aficionados et ses profondeurs, mais qui dit, voilà, nous sommes dans un domaine de sciences post-normales, où le scientifique, finalement, ne parvient plus à travailler de la même façon qu'il le faisait il y a 30 ou 40 ans, avec quantité d'interférences mal maîtrisées. Je veux dire, ce qui est écrit dans l'IPCC est relu par le politique, et même s'il n'y a pas d'interférence, il y a parfois un peu d'autocensure, sans doute. Quand j'écris tel ou tel mot dans un article scientifique à destination de mes pairs, je suis aussi... Quand je dis « je », c'est au sens fait général, c'est l'archétype ici qui parle, à qui est de la façon dont ça va être lu ou reçu, c'est un mot qu'on utilise plutôt qu'un autre parce qu'ils ont une portée en dehors. Donc, on est dans un contexte qui est complètement nouveau. Et que les sciences sociales connaissent très bien, l'anthropologie connaît très bien. Je veux dire, quand on a affaire à une loyauté vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des gens qui on a vécu, vis-à-vis des universitaires à qui on doit rendre la monographie, enfin... ou autre chose, enfin, là, il faudrait peut-être que quelqu'un prenne la parole. Je veux dire, c'est pas une perturbation, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une perturbation, c'est assumer des niveaux de discours. C'est pour ça que je parle d'un continuum. Et puis la presse vient nous interroger pour nos résultats, etc., etc. Est-ce que... Enfin, je crois que là, il y a un biais qui est celui de la formalisation. Quand on a formalisé, on croit qu'on a abstrait la chose et qu'on a affaire à un objet scientifique... Mais c'est la question de la neutralité de la science. Alors, parce que je vois que Gianmarco va intervenir, parce que sur ta deuxième question du Kuhn, alors, à nouveau, je ne suis pas sociologue de science, j'ai juste lu Kuhn, enfin, j'ai lu le bouquin, quoi. Je suis content de voir qu'il est encore cité comme une référence pertinente. Oui, je vois un peu les choses comme ça. Quelque part, le tipping point, la révolte, je vois pas mal d'analogies, mais je ne peux pas en parler beaucoup plus. Mais effectivement, c'est dans son contexte. Moi, c'était
Je t'avais pas du tout plus mathématique. Quand tu as présenté du coup tes trois équations de dérivées, il y a des points de suspension et tu as dit, tiens, j'aurais pas dû les mettre. Et je demande si le contexte, on ne peut pas le formaliser justement par des points de suspension et des variables, des équations qui te manquent encore en plus par ailleurs. Tu vois. Oui, ben c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Quand tu fais ça, quand tu mets d'ailleurs dans un modèle de coût économique, tu commences à remplir tes points de suspension. Alors évidemment, après, ben, tu restes quelque part dans ta prison de modélisateur, c'est qu'à un moment donné, tu dois quand même t'arrêter. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que le fait qu'on ne tient pas compte du contexte, c'est pas dire, ok, nous, on n'a pas toutes les variables qui caractérisent le contexte. Non, bien sûr. Et donc, on peut modéliser que ce soit. De toute façon, on est prisonnier de notre outil. Je pense qu'on ne peut pas s'affranchir. Après, il y a des réflexions. Des mathématiciens le font, des philosophes le font, et puis il y a des mathématiciens philosophes qui le font aussi, de savoir comment exprimer aussi, évidemment, les limites d'un modèle qui a été formalisé sous la forme de variable d'état. Mais de toute façon, nous, on ne sortira pas de cette prison. Ça me paraît impossible. Juste quelques minutes. Oui, en fait. Bon, c'est bon. C'est Françoise. Alain. Oui. Hein. En tant que scientifique, vous devez remettre de l'ordre et appuyer sur des notions scientifiques vérifiables. Et étant donné la complexité des sujets qu'on aborde, il y a un désordre et on ne connaît pas tous les paramètres. Alors, moi je suis un désordonnateur et je vais en rajouter en ajoutant la fiction. Votre tension douloureuse que vous semblez ressentir... entre votre mission de scientifique rationnel et essayer de comprendre la complexité du système, je trouve que c'est la même chose qu'a vécu quelque part Asimov dans sa trilogie Fondation. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de science-fiction, mais un grand physicien qui a aussi écrit de la science-fiction, Asimov, a fait une trilogie dans laquelle il montrait que l'évolution de la société galactique était peut-être modélisable dans des équations qui prenaient 50 tableaux de cette université. Et dans la logique mécanique, qui est un peu celle dont vous êtes issu, tout devait être modélisable dans des magnifiques équations, et en connaissant les équations, ils pouvaient agir sur l'évolution des sociétés et raccourcir le Moyen-Âge galactique qui faisait que une transition malheureuse avait précipité les sociétés dans un enfer moyenâgeux. Et il a écrit sa trilogie, un peu avec le démon de la place comme moteur. Et puis, quelques années plus tard, il a écrit un quatrième tome qui était basé sur l'hypothèse Gaïa,